Hi everybody, it's Bea, and today I'm in this beautiful city of New Orleans with a special guest named Joseph Dunn. Joseph is a cultural entrepreneur here. He's an activist and a very francophile. He's always involved in many things around the French references here in New Orleans. So Joseph, can you explain us why you are interested by the French reference in New Orleans and why you do so many things here? Well, first of all, thank you, Bea, for having me on this program, and welcome back to New Orleans. It's always good to see you here. So my family history goes back in New Orleans to the 1740s. So during the French colonial period, my ancestors arrived directly from France here. So it's been just completely natural for me to be interested in those aspects of the city's history, my own personal family history, the French language, the French culture, and how those things developed and evolved here in the New World. Parce que ici, il y a toute la différence. Il y a les Américains, il y a les créoles, et à l'intérieur de ce monde créole, il y a également des Africains, des gens de race mixte, il y a des Amérindiens, il y a des descendants d'Acadiens, donc il y a toute une mosaïque de gens en Louisiane qui peuvent tracer leurs origines jusqu'à la période coloniale. So Joseph, I heard your French is perfect. You are bilingual. Is it useful to have skills in French here in New Orleans? Absolutely. I've spent the last 25 years of my life professionally because I speak French. And so working in culture and working in tourism, having this ability to speak both languages and to work in both languages has been incredibly beneficial. So yeah, it's absolutely possible. I know that you were closely involved in international relationship and you did several travel and in France with the previous mayor of New Orleans, Mitch Landrieu. Do you think this is important to build relationship like that with the reference with France for New Orleans and how it works? Absolutely. Louisiana is one of the destinations for French visitors. We have lots of tourists who come to New Orleans and to Louisiana every year from France. And that's also really, really helpful in the development of this idea of the French language in Louisiana, because we have a reason outside of our own little bubbles to speak French, because then it becomes a social and an economic development tool which provides jobs and which socially and economically valorizes the people who speak French in Louisiana. Yeah, French people are often surprised that when they arrive here, there is a French market, a French quarter, a French festival. Louisiana was a French colony, and so what's interesting is that for people from France, their idea of the connection to Louisiana stops in 1803 when Louisiana was sold to the United States. However, on our side, that relationship has continued until today. So we still think of France as sort of the cradle of, or where our own culture was born, or one of the places where our own culture here in Louisiana was born. I have a question. I heard you speak Creole. Pourquoi pas parler un brin créole, ouais. Why do you speak Creole? You speak French, you speak Creole. What are the links between the both, and why you speak French and Creole? Well, the French language and the Creole language always existed in parallel right here in this city and elsewhere in South Louisiana. We talk a lot about the French connection, but one of the things that we don't give enough credit to or talk about often enough is the African influence here. So we have to remember that this was a French colony, yeah, into which were brought thousands of African slaves. And those African slaves had different languages that they spoke. And so when they were brought here, when they were brought into contact with the French language, that gave birth to the Creole language as we know it in Louisiana. So there is differences between, for example, the Creole in Martinique, Guadeloupe, and the Creole here? Yes, yes. So once again, there are different linguistic groups that are represented among those enslaved Africans. So the ones that were brought here from the same groups were also the ones that were taken into the Indian Ocean, into Réunion and into the Mauritius Island. And so our Creole in Louisiana is much more similar to those Creoles that are spoken on the other side of the world. It's much more closely related to those than it is to the Creoles that are closer here, like to Haiti or to Haiti or to Martinique or Guadeloupe. Joseph, I'm curious, and I want
really understand all the global idea. How much time do we have? A lot of time. Okay. So I heard also that the Cajun people here speak Creole. But some of them do, yes. So the Creole speak Creole, the Cajun speak Creole? No. No? Explain no. me. No. What has happened in Louisiana over time is that the baseline for identity has become skin color and has not become language. And people do not see themselves within a same linguistic or cultural identity. They identify based upon their skin color. So there are people who call themselves white and who call themselves Cajun who actually speak Creole because that's the language community that they were brought up in. Okay. And there are people who are now black or of color who speak French, but who don't know that the French that they speak is not actually Creole. And the Cajuns who speak Creole don't know that the language that they speak is actually Creole because they don't have the language benchmarks, or they've not been educated about themselves in French to understand that their ethno-racial or genealogical identity is not synonymous with the language that they speak. Oh, wow. We are talking about food now. Oh, boy. Because here in New Orleans, food is very present and there is some special meal, like the gumbo. Yes. And I understand that each person has his own recipe of the gumbo. That is true. Can you explain me? Do you have your recipe? I have my own recipe for gumbo, yes. Oh. And so I like my gumbos with sausage and with chicken. And everybody has their own recipe. But at the very, very root of that is the actual gumbo, the vegetable from Africa that is known in English as okra. And so if we begin to deconstruct gumbo, we can see all these incredible historic and cultural influences in that food. Because in a French colony, they're arriving, these French colonists, into a place where there are already Native Americans, there are Indians here. But then the French begin bringing West African slaves into Louisiana, and these women from West Africa are going to be the cooks. But the French person has his idea about what a soup should be. And then the Indians know what you can eat here that is not going to kill you. So they are then going to show the African women who were the cooks what they can prepare. And so, but at the base of the actual soup, the gumbo, is the vegetable, the okra, the actual gumbo that was used to thicken the soup. What a story, amazing. And tasty. And very tasty. And very tasty. Do you have some advice for French people who would come here and find the references of French or the Creole history here, some place to visit or some things to do? Well, these influences and these elements are everywhere. New Orleans is like no other place in the United States. It's this fascinating carrefour or intersection of Europe and Africa and the Caribbean and North America. And so those influences are everywhere. In the food, a lot of it has been ramped up a little bit, we'll say, or enhanced. So you will find those basic elements of French cuisine, but with all of the more local touches, the African influences, the Native American influences. Turtle soup, for example. Oh my goodness, yeah. This turtle soup is amazing. They put sherry in it, and you have a good piece of bread, and so you can dip that in there. The most evident also is going to be the beignets in the Café au Lait at Café du Monde. There are the classic Creole restaurants here in the city. They've taken all of this bounty of local seafood and even wildlife and turn them into these exquisite dishes that are world renowned. Walking around the streets, you're going to see names of the streets that are cities in France. There's Toulouse, there's Chartres. That were in the beginning a little bit controversial for some of the people because those were the illegitimate children of the Sun King. So, you know, to see them emblazoned on the names of streets was a little bit controversial for some people in the very beginning of the colony. So, it's just everywhere. So New Orleans is really a corner and a place mixing a lot of culture. Amazing.
It's truly, truly a mosaic. And when we think about French language and French culture and Creole language and Creole culture, New Orleans and South Louisiana have one of the most diverse and incredible representations of that in the world. Thank you very much, Azaz, to have spent time with us. Bah, merci bien, à toi aussi. Merci. Bonjour à tous, c'est Béa. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Choi Extrasystole et nous sommes dans un environnement sonore, un endroit un peu particulier au Théâtre d'Orléans. Bonjour Choi. Bonjour. Et nous sommes ensemble parce que nous allons parler d'un projet sur lequel tu as travaillé, Choi, qui est un projet autour de la Nouvelle-Orléans. Donc tu as rencontré là-bas des personnes avec une autre artiste pour travailler sur ce sujet. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Oui, je suis parti avec la photographe Sandra Mail, qui est une photographe documentariste. Et on a rencontré la tribu Biloxi Choctaw qui habite sur l'île Jean-Charles, donc tout au sud du bayou louisianais. Et la spécificité, c'est qu'ils sont francophones. Et du coup, on avait plein de choses à se dire sur leur vie, leur mode de vie, sur la spécificité d'habiter une île, puisque là, actuellement, elle est sous les eaux régulièrement. Il n'y a qu'une seule route pour y accéder. Et on a beaucoup partagé sur nos cultures respectives. Alors, c'est une tribu qui parle français. Oui. Ouais. C'est une centaine de personnes qui sont là-bas. Et il y a un environnement qui est un peu compliqué en termes environnemental, puisque, comme tu le disais, cette île est en voie de disparition. Et donc, ce sont des tribus, en tout cas une tribu qui habite là-bas depuis longtemps, qui a une histoire aussi liée à la France. C'est ce que tu me disais ? Oui, ce sont des flibustiers français qui venaient régulièrement dans le bayou pour faire du commerce ou pour se cacher. Et ils retrouvaient là des Acadiens, donc des Français qui étaient partis du Canada, ainsi que des Indiens locaux. Et tout ce petit monde, en fait, n'a plus formé qu'une seule grande tribu. En se faisant passer la langue française, mais du XVIIIe siècle. Donc, il y a quand même des spécificités de vocabulaire, d'accent aussi, beaucoup, oui. Et on retrouve d'ailleurs l'accent canadien qu'on connaît bien et qui, en fait, est l'accent français d'Aquitaine et de Mayenne du XVIIIe siècle. Donc ces personnes, je suppose, sont très attachées à leur terre et ça doit être très difficile pour eux d'imaginer que dans peu de temps, cette île va disparaître. Est-ce qu'il a été envisagé des choses en termes de préservation ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Est-ce que des projets sont nés par rapport à ça ? Oui, oui, oui. Il y a plusieurs pistes. Il y a eu une digue qui a été créée autour du dernier petit village restant. Il y a quand même 98% du territoire qui a disparu, qui est sous les eaux. C'est énorme. Ben ouais. Et du coup, la majeure partie de la population, elle est déjà un peu partout, en Louisiane et dans des États à côté, pour pouvoir vivre, étant donné qu'ils n'avaient plus ni maison ni territoire, ils ont été obligés de partir. Et ceux qui restent, donc, travaillent actuellement sur un différent type d'habitat surélevé, mais qui, bien sûr, aura une durée de vie limitée, puisqu'il y a des ouragans plusieurs fois par an. Et une autre piste qui est défendue par leur chef actuel, c'est d'aller, avec des fonds, reconstruire le village un petit peu plus dans les terres. D'accord. Donc repartir quelques kilomètres au nord. Cette île est à 120 kilomètres à peu près de la Nouvelle-Orléans ? Oui, c'est ça. Ouais.
Est-ce que les Américains, de manière générale, et la population de Louisiane est sensibilisée à ce sujet et à l'histoire de ces personnes ou pas? Et est-ce que la communauté francophile et francophone de Louisiane a aussi connaissance de ça? Puisqu'on sait que dans des villes comme Lafayette, par exemple, le français est très présent. Est-ce qu'ils se sentent reliés avec ces personnes? Est-ce que tu le sais? Alors... Il y a beaucoup plus de liens entre tribus et de soutien entre tribus que entre des citadins et des gens de la campagne. D'accord. Un petit peu comme partout dans le monde, j'en ai le sentiment. Non pas qu'il y ait une indifférence, mais le rythme de vie, le cadre de vie étant tellement différent, il n'y a pas de la part de gens de l'État, d'aide, de soutien au quotidien. Particulier au ouais. quotidien. Et en fait, c'est un petit peu le sentiment qu'avaient eu les habitants de la Nouvelle-Orléans après Katrina d'être abandonnés. Eux, ils le sont encore plus, puisque ce n'était pas Katrina qui les avait le plus touchés, mais d'autres qui sont venus depuis. Et en fait, à chaque fois, ils ramassent ce qui est par terre et ils reconstruisent leur maison à partir de ce qui est par terre. L'aide tarde à venir. Il y en a eu, il y a eu un fonds, un premier fonds. Et bon, pour l'instant, malheureusement, ce sont les architectes qui réfléchissent aux maisons qui touchent l'argent pour travailler à créer une solution. Mais d'aide directe aux habitants, pour l'instant, il n'y en a pas. D'accord. Donc vous êtes parti là-bas, vous êtes resté sur place, vous avez vécu un peu avec la population et surtout vous avez voulu retransmettre en fait ce que vous avez vu là-bas. Donc tu disais avec Sandra Mel qui elle a fait un travail photographique. Et puis toi qui as fait ce travail sonore qui est ta spécialité, comment ça s'est passé? Alors oui, elle avait envie de compléter son travail photographique, parce qu'elle était déjà allée trois fois, pour vraiment avoir l'ambiance générale. Donc j'avais les micros ouverts et je prenais tout ce qui était lié à la vie, aux activités professionnelles, quotidiennes, au bruit des maisons, les moteurs des bateaux... Les oiseaux, l'environnement, les clapotis de l'eau, enfin vraiment tout ce qui constituait le paysage sonore plus spécifiquement, c'est le fait qu'on allait créer une carte sonore d'un lieu en disparition, d'un lieu qui n'existera plus dans quelques années. Donc il fallait, pour moi, je me sentais vraiment investi d'une mission, c'est de mettre en mémoire tout ça. J'ai contacté des gens du laboratoire de langue en France, lié au CNRS, pour avoir une méthodologie de travail afin d'enregistrer les voix, le vocabulaire, les histoires, et que ça puisse servir vraiment d'archives pour la francophonie. Ce qui veut dire qu'en fait, ces archives seraient conservées en France, pas aux États-Unis. Disponibles partout avec la notion d'universalité liée aux données scientifiques, ça sera disponible par tous. C'est un bien commun. Et donc garder cette trace en sachant que cette île est vouée à disparaître s'il n'y a pas de solution qui est trouvée pour la préserver. Oui. Enfin, malheureusement, les circonstances de la dégradation de l'île sont multiples. Il y a les barrages sur le Mississippi, il y a les forages gaziers qui se trouvent dans la baie, et puis la montée des eaux. Donc il y a trois facteurs qui sont là et qui travaillent à l'érosion depuis longtemps. 98% du territoire a disparu. Donc malheureusement, il n'y a pas grand-chose à part essayer de préserver les habitants.
Mais le terrain, ça fait quelques kilomètres désormais. C'est vraiment tout petit. Alors, ce qui fait une communauté, c'est aussi, tu le disais, la langue, ouais. puisqu'on en a parlé. Cette langue spécifique, donc, qui est un français, mais qui est un français adapté à leur histoire, donc un peu différent du français métropolitain que nous connaissons. Si tu t'es intéressé à ça, c'était pas un hasard. J'ai cru comprendre que tu avais fait des études linguistiques et que donc tu avais cette sensibilité à la découverte d'une langue et d'une langue parlée dans différents environnements selon la sociologie et selon l'histoire. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette expérience, de cette langue et de la manière dont ils parlent le français là-bas? Bah, c'est assez jubilatoire. C'est toujours un plaisir de ne pas avoir de barrière de langue. Avec des gens qui ont une culture complètement différente, être dans un environnement différent et de se rendre compte qu'au final, on a plein de mots de vocabulaire en commun. Et même s'il y a un petit accent, même si des fois, ils me regardaient en disant « je préfère quand tu parles anglais », mais on avait l'impression d'être de la même famille. Il faut de l'empathie pour sentir ça, mais... je me trouve dans ce cas-là. Si je fais un travail sur l'humain, c'est pas uniquement pour faire un travail artistique, c'est véritablement pour qu'il y ait de l'humain dans mon son, dans mes compositions, et que ça touche l'humain. Voilà. Le langage universel qu'est la musique permet du coup de transmettre des messages à n'importe quelle nationalité, et avoir récupéré tous ces sons, ça parle, ça crée une situation pour l'auditeur qui va lui permettre d'identifier le lieu, de ressentir un petit peu comment la carte se définit. Et donc du coup ça a donné la création de cette exposition. Ouais. Qui a pris place en France, à Orléans, ça je le sais, l'année dernière, en 2019, c'est ça? C'est ça, oui. On l'a monté un mois après être revenu. D'accord. Donc on a eu un mois de travail intensif à dérocher les sons, les images, pour choisir les plus pertinentes, en racontant une histoire. Et puis faire une scénographie qui retranscrive l'ambiance de là-bas, l'humidité, la chaleur, tout ce côté qu'on retrouve vraiment au tropique. Et qu'est-ce qui est devenu ce travail, puisqu'il y a un temps d'exposition, mais après, est-ce que ce travail, cette captation peut continuer à exister, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui avait un temps donné et qui est achevé? Pour ma part, je me suis lancé petit à petit dans une écriture fictionnelle liée à mon passage là-bas, avec Sandra, mais aussi l'histoire un peu personnelle, émotionnelle que j'ai eue. Et j'aimerais en faire quelque chose entre le film, le dispositif et la narration fictionnelle. Voilà. Quant à l'expo, Sandra est partie vers des nouvelles aventures. Pour l'instant, on n'a pas, puis moi aussi, les aventures du ciel, du cosmos, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver de date véritablement commun pour essayer de développer un peu plus. Mais c'est encore possible. Oui, personnellement, j'aimerais bien retourner en Louisiane pour montrer le travail fait aux habitants. Et oui. Pour aussi le montrer, j'aimerais à la Nouvelle-Orléans pour qu'au niveau de l'État, il y ait des choses qui soient transmises et
qui soit pas simplement de l'ordre communicationnel ou politique, mais qui est aussi quelque chose de plus humaniste, poétique. Et scientifique aussi. Et scientifique, oui. Très bien. Alors aujourd'hui, je le disais en introduction, nous sommes au Théâtre d'Orléans parce que tu exposes, et en tout cas tu exposes ton travail actuel. Tu viens de nous en dire deux mots autour du cosmos. Alors j'ai plein de choses autour de moi, du domaine sonore. On m'a parlé de Neptune, on m'a parlé de sons de l'espace. Je sais qu'il y a des vibrations aussi quand je me rapproche de certains éléments. Les sons bougent. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors c'est un projet avec un plasticien. Donc on a en charge de créer un dôme en fin 2020 sur une station de radioastronomie en France. Et c'est une création de dôme à ciel ouvert qui va être à demeure, dehors, et qui va donner à entendre les étoiles, les bruits de l'univers, les événements cosmiques. Donc il y a un travail mathématique qui s'effectue en amont, où en fait on prend des données scientifiques, radio et électromagnétiques, et on les retranscrit en son pour ensuite en faire des mélodies, des éléments narratifs sonores. Et pour arriver à la finalisation de ce projet-là, il a fallu, comme c'est un type d'architecture expérimentale, en autotension, faire beaucoup de prototypes, faire de la recherche notamment en résonance de matériaux. Bah, du coup, on a créé quelques prototypes qui ont été remis en forme pour pouvoir exister en exposition. Et tout ça est en lien avec le CNRS ? Aussi, oui, ouais, tout à fait. Et donc la partie radioastronomie, oui. Bien sûr, les observatoires de Paris-Meudon et de Nancy. Ah, très bien. Voilà, et donc pareil, c'est une expérience à travers des objets et des installations où il y a de la synesthésie, c'est-à-dire qu'on titille la vue et l'ouïe pour faire ressentir aux gens leur rapport à l'espace. À l'espace environnemental, mais aussi l'espace plus éloigné, l'univers. J'ai une dernière question, parce que je suis de nature curieuse. Donc, tu nous as parlé de ces sons, de l'univers, etc. Et donc, il y a des ondes un peu partout. Est-ce que ce n'est pas finalement essayer de nous faire voir ou nous faire comprendre ces ondes qui sont autour de nous et qu'on comprend quand on entend des sons, mais qu'on ne voit pas avec notre sens la vue. Mais en réalité, nous sommes traversés d'ondes dans tous les sens. Ouais. Est-ce que ce n'est pas ça avoir ce contact avec ces ondes de l'univers qu'on ne voit pas? Oui, oui, tout à fait. C'est un... on donne à voir l'invisible par le biais d'autres outils comme ça. Les fréquences sonores, bon, on connaît les graves, les médiums, les aigus, mais il y a des tellement graves et des tellement aigus qu'on est incapable de pouvoir les entendre. Donc du coup, mon travail, il est à réduire la durée ou à augmenter la durée pour que ça rentre dans notre champ audible. Et il y a une autre installation qui donne à voir de façon visuelle, oui, également les sons tout en les entendant. Et donc du coup, on a des transformations de couleurs, des taches qui apparaissent et du coup, c'est parlant. J'avais une visite scolaire ce matin. En quelques minutes, ça y est, ils comprenaient et l'univers s'ouvrait à eux. Voilà, c'était magique. Jusqu'à quand on peut découvrir cette exposition ? À Orléans et à partir de la semaine suivante à Tours, à la chapelle Sainte-Anne. Voilà. Avec quelques autres dates à venir après pour le reste de l'année 2020. On te le souhaite. Merci. Merci beaucoup, Choy. Ben, merci, Béa. Thank you.